Interview Thaïs. Bonjour Thaïs. Bonjour. Actuellement, vous êtes en train de prolonger votre spectacle. Allons-y vous voir. D'accord, ok. Bien sûr, oui. C'est une interview. Ah oui, non, mais c'est, si c'est officiel. Très bien. Bah, c'est pour les réseaux, c'est pour ça. Non, mais très bien, je vous vois, j'adore. Donc on reprend en pause de ça. J'ai l'impression d'être un adulte. Allez, reprenons-le. Allez, pardon, allons-y. La rubrique interview avec aujourd'hui Thaïs. Attention, c'est parti. Bonjour Thaïs Vauquier, donc actuellement vous êtes en train de prolonger votre spectacle au Petit Palais des Glaces. Exactement, vous voilà, avez bien raison. Jeudi, vendredi et samedi. C'est ça, à 21h30. À 21h30, alors que la saison dernière, vous jouiez déjà dans cette même salle, oui. Mais moins de jours. Eh bien je jouais le mardi, mercredi, puisque je jouais jeudi, vendredi, samedi au Théâtre de 10h avec Titoff. Voilà, donc ça sous-entend que vous êtes prolongé. Oui. Et ça sous-entend que si vous êtes prolongé, c'est parce que ça marchait bien les mardis et mercredis. Oui. Donc ça veut dire que, si vous étiez programmé au Petit Palais des Glaces les mardis et mercredis, ouais. Aujourd'hui vous êtes les jeudis, vendredis, samedi, vous ne jouez plus avec Titoff. Non. Ah, d'accord. Non, du c'est coup, un choix. Oui, entre autres, oui. non, c'est on est allé chacun de notre côté quoi. Et moi j'ai continué mon one man show parce que c'est moi qui l'ai écrit et que j'aime bien. Alors j'en arrive à la question fatidique, c'est toujours le one man show qui vous a démangé au fond du ventre? Alors non, des gastro aussi des fois. Non, c'est vachement sérieux, arrête. C'est vachement sérieux, c'est pour ta com sur les réseaux. Bah oui, mais ça me ressemble plus. C'est on va la faire, plus courte et tout, attention. Dernière fois, interview Thaïs. Thaïs Vauquier, vous êtes donc en train de prolonger actuellement votre gastro. Putain. On l'avait pas vu venir. On est ravis de te recevoir, candidateur. Aussi, on est ravis de te recevoir, candidateur. Moi aussi, je suis très contente. Thaïs a fait sa première fois, la veille de la première, toute première à Lyon, elle a fait sa première fois à candidateur à Lyon. Ouais. Je me rappelle, c'était la veille de ta première, il y a 4 ans 3 ans. 3 ans, je crois. Et tu n'avais jamais fait de One Woman? Non. T'as fait pas mal de comédies, machin, etc. Ouais, j'ai fait une dizaine. Et t'as testé ton premier sketch à candidateur à Lyon, qui jouait entièrement One Man Show pour la première fois au Boui Boui le lendemain. Ouais. Du coup, j'étais pas au top. Et ça s'était super bien passé, j'avais bien mis en confiance. Sur Blanche-Neige. C'était Blanche-Neige, ouais, c'est vrai. Que t'as toujours? Que j'ai toujours, ouais. Vachement bon. Il est un peu mieux, je pense, qu'il a évolué quand même. Le lendemain, Thaïs a démarré au Boui Boui. Elle y est restée, 2 ans. 2 ans, ouais. Et il y avait même le samedi, tu faisais 3 séances tellement c'était complet. Deux, je crois. T'es sûr? Des fois 3, ouais. 3 dans la même soirée. Mardi au dimanche, en fait. Mardi au dimanche. 3 fois le samedi, ouais, c'était... J'étais un peu fatiguée. Non, mais ouais, c'était cool, ouais. Et tu es lyonnaise? Et je suis lyonnaise, ouais. Et tu es venue à Paris pour que la carrière s'envole? Ben, un petit peu, ouais. Voilà. Voilà. Et donc, venez voir Thaïs, vous avez vu un extrait, c'est à mourir de rire. La presse te situe comme la nouvelle Muriel Robin, t'es au courant? Ouais, ils disent Forestier aussi, mais je crois que c'est juste que je suis lyonnaise, ils aiment bien dire ça. Ah, c'est pour ça. Moi, j'ai vu Muriel Robin, moi, plus d'une fois. Ouais? Ouais. Bah, super. T'es contente? Mais c'est avant tout Thaïs Vauquier, ça s'appelle Hymne à la joie, et c'est au Petit Palais des Glaces!